Votre visite au Togo n'est probablement pas complète si vous n'avez pas visité le royaume de Togoville, situé à 32 km à l'est de Lomé, au-delà des rives du lac Togo. Your visit to Togo is probably not complete if you haven't visited the Kingdom of Togoville, located 32 km east of Lomé, beyond the shores of Lake Togo. This is so because Togoville is a heartland for voodoo practices and the cradle of Togo. Togoville est le berceau du Togo et au cœur des pratiques vaudou au Togo. It is from this place the history of present-day Togo started being written. C'est à partir de cet endroit que l'histoire du Togo actuel a commencé par être écrite. En effet, tout a commencé là, au 15e siècle, avec la fondation du royaume Togo sous la chefferie du roi Mlapa. In fact, it is all started there, in the 15th century, with the founding of the Kingdom of Togo under the chiefdom of King Mlapa. Fast forward, six generations later, this year 2021, we've had the honor of meeting with the current descendant, heir of the throne, His Majesty King Mlapa VI and learn more about Togoville and Togo. Six générations plus tard aujourd'hui, en 2021, nous avons eu l'honneur de rencontrer l'actuel descendant, héritier du trône, Sa Majesté le roi Mlapa VI, et apprendre davantage sur Togoville et le Togo. Ce jour-là, le roi sans s'entourer de ses protocoles habituels liés à son trône et à son palais, nous a reçus dans le jardin de sa résidence privée. On that day, the king put aside all the protocols associated with his throne and his palace and received us, in his private residence garden. We were allowed to ask any question and talk to him as a person just like any of us. Nous étions autorisés à poser n'importe quelle question et à lui parler comme une personne comme nous. Son humilité, sa gentillesse et son lien émotionnel profond avec l'histoire de son royaume ont définitivement brillé pour nous à All In Togo. Nous vous laissons apprécier par vous-même. His humility, kindness and deep emotional connection with his kingdom's history definitely shone through for us at All In Togo. But we'll let you appreciate for yourself from our chat. Oh, vous écoutez. On ne peut pas parler un peu de Togoville, mais on va parler de Togoville vraiment en gros. Oui. Mais on va commencer comme ça et par le nom Togo. Mm-hmm. Le mot Togo, les quatre lettres Togo, veut dire quelque chose. C'est en langue du milieu. Chez moi ici, toute élévation de terre, montagne, colline, falaise, nous l'appelons To. To. Et tout flanc de colline, montagne, falaise, et toute bord ou berge de lac, de mer, d'une rivière, nous l'appelons Go. Go. Bien. Sur leur parcours, en cherchant le meilleur endroit à s'installer, et la divinité que nous adorons ici, que nous appelons Niblé, et c'est cette divinité, j'ai une divinité de paix, de justice et de bonheur. Et nous l'adorons avec foi ici. Donc pour l'adorer, il a fallu un meilleur endroit pour l'installer. D'où la fondation du royaume Togo. Maintenant, depuis leur parcours d'Égypte dans la vallée de Nubie, au bord du Nil, c'était là notre origine d'antan. Mais avec l'arrivée des Blancs, où les Blancs voulaient changer la race noire de l'Égypte, c'est à ce temps-là que les Aïeuls ont fui, du moins tous les grands royaumes d'Afrique aujourd'hui étaient là-bas en Égypte. C'était là-bas qu'on avait quelque chose. Arrivé là, et ils voyaient ici, c'était une falaise. Là où nous sommes aujourd'hui, là, c'était une falaise. Et avec le temps, l'érosion, là, tout. Quand vous étiez sur le lac, vous avez vu que c'était sur une élévation. Voilà. Et arrivé ici, ils voyaient ici, tu vois, voilà. Il y a tout en coup. Il y a Itoua Ragou, qui est en même temps la berge du lac et en même temps le flanc de la colline. Vous voyez, et arrivé ici, ben, il dit Itoua Ragou, bientôt. Et
ils s'installèrent. Vous voyez? Et nous, peuple niblais, notre aliment de base, c'est le maïs. Donc on a dû tester le sol. Ça a produit un bon maïs. Donc ici, à Togo, ici c'est Togo. Mm-hmm. Donc à Togo, nous cultivons le meilleur maïs mm-hmm. du monde. Ah bon, hein. Oui, notre maïs est différent des autres. Ah bon, oui. Hein. Eh oui. J'espère qu'il t'en aura un bon mois. Donc voilà, et à peu près, et un peu sur l'origine du nom Togo. C'est à partir d'ici. Nos peuples niblais sont les vrais peuples du royaume de Togo. Et niblais, qu'est-ce que niblais fait? C'est, je vous ai dit que c'est une divinité de paix, de justice et de bonheur. Là où vous êtes, je vais vous livrer, je vais vous faire un cadeau. Le cadeau que je vais vous donner, et c'est ce que vous voulez, vous laissez. Mais si tu veux, tu donnes. Si tu ne veux pas, tant pis, on ne te force pas. Mm-hmm. Tu fais un vœu avant de quitter le sol de Togo. Mais de grâce, si ça c'est os, tu reviens. Même un enfant dans la rue, ou bien tu jettes, même 100 francs, tu jettes par terre, celui qui trouvera, donc tu as déjà dit ton merci. Voilà un peu les bienfaits de Togo. Et il y a des gens qui cherchent à enfanter, qui ne trouvent pas, ils viennent à Togo, tu t'amènes à un endroit, on prie pour toi et tu fais un bain. Tu pars, tu vas avoir d'enfants. Problème de mariage, problème de boulot, problème de visa. Même je ne vous conseille pas, même si vous arrive un jour de tuer quelqu'un, venez ici vous confesser, on va vous purifier. Ici, notre animal sacré, c'est le python. On ne tue pas le python. Si tu tues python, tu viens, tu te confesses, on te purifie et tu es clean. Ici à Togo, on n'a jamais connu la guerre. Et nous, on ne connaîtrait jamais la guerre. Amen. À cet endroit, si je dois vous y amener, oui. C'est torse nu, pieds nus. Nous sommes les pays, les peuples nudistes. Torse nu, pieds nus. C'est tout notre sacrifice. Il n'y a pas de sang, pas de bélier, pas de poulet, pas rien. Mais torse nu, pieds nus, avec une grande foi, on prie pour toi et on te donne le pain. Et c'est fini. Tout ce que tu demandes, ça c'est l'autre. Nous, on ne tue pas ici. Et on ne fait pas de rituel d'argent. Mais on attire le bon. C'est ça l'authenticité. Voilà. Alors, voilà, c'est comme ça. Et quand tu fais, on fait la prière, tu prends ton pain. Non, nu, le torse nu. Le jour où tu feras le pain, torse nu. Torse nu. Pied nu. Torse nu. C'est ici. Le pain voilà. Ici, torse nu. Mais à l'intérieur, au lieu saint, c'est un adjibédi. C'est tout nu. Oui. Je reviendrai. Mais maintenant, on a essayé de faire les choses. Si c'est les femmes, il y a une femme là-bas qui va t'accompagner là-bas. Si c'est un homme, c'est une femme qui l'accompagne. Mais de grâce, il ne faut pas penser autrement. Le malheur. Il a trouvé la radio. C'est ça qui les dérange. Comment? Mais nous sommes nus. Tous nous sommes nus. Et c'est comme ça. Nous sommes nus, nous on va pas tuer. Tu as la tradition, ça ne fait rien au fait. Mais il y a une fête que nous faisons, bon, le 11 prochain, dans un mois pratiquement. Septembre. Et nous avons notre cérémonie de purification. Ça, c'est ouvert à tout le monde entier. Celui qui vient, on va recevoir une invitation spéciale du chef. C'est ce que je demandais quand il était dans la prière. Et on fait ça, ce n'est plus dans le couvent, mais c'est les prêtres se lèvent tôt le matin, ils bénissent le lac. Et quand on fait la cérémonie, vous vous baignez directement dans le lac. Oui. Et là, et quand tu te baignes, tu dis ce que tu veux. Et le jour là, quand tu vas voir, moi ici, le monde là, attention, c'est vous. Qui ne voudrait pas expérimenter. Donc les gens viendront et avec leur. L'autre, ça fait Benoît, 3 mois maintenant, il y avait un enfant de Togo. Du moins, c'est un frère. Mm-hmm. Ce que je dis, bon, c'est un frère du quartier, quoi. Mm-hmm. Il est allé
au Nigeria, dans un état du Nigeria qu'on appelle le Calabar. Et il est allé là-bas, il a pris une femme de là-bas. Et ils ont fait un enfant. Et l'enfant, on ne sait pas ce qui est arrivé à l'enfant. L'enfant a grandi, mais il ne marchait pas. On a tout fait, ils ont tout fait, ils sont allés dans les églises. Et c'est un pasteur qui a dit, bon voilà, il faut ramener cet enfant dans son village natal. Il y a une eau là-bas chez vous. Et il suffit seulement de se laver avec cette eau et l'enfant va se lever et marcher. Et la femme n'a pas refusé. Il a demandé à son mari, amène-moi dans ton village. Donc je vous dis que l'enfant, la femme a amené son enfant et ils sont arrivés. À l'arrivée maintenant, il a demandé à sa belle famille, où est l'eau? L'eau mystique de ce village. La belle-mère dit, ben, voilà l'eau mystique, c'est ça. Mais j'ai passé sur ça. Il dit, oui. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, attendez seulement. Il a pris son enfant. Elle a pris son enfant et ils sont venus là. Et il a jeté dans le lac. Elle est là, elle a parlé, elle a prié, elle a demandé pardon. Elle a tout dit. Et il a lavé, elle a lavé l'enfant. Et là. Je vous dis, l'enfant a marché du lac jusqu'à la maison. Ça y est, c'est avec une grande foi. C'est juste pour vous dire un peu l'importance et le mystère qui est derrière ce lac. C'est nous, c'est pour nous comme le lac Jourdain qui guérit les gens dans le lac. Et c'est comme ça jusqu'à ce jour. Voilà. Donc, si vous faites un vœu, toi, je pense que tu vas beaucoup oublier. Il faut aller écrire ça. Non. On ne fait pas un rituel d'argent ici. Mais on guérit les fous. On guérit toutes sortes de maladies. Ici, il suffit seulement de prier pour toi avec les pains jusqu'à ce que le mal là disparaisse. Donc voilà à peu près un peu le mystère qui entoure Togo. C'est-à-dire quand vous voyez Togoville, vous le voyez physiquement comme ça. Mais spirituellement, quand on vous parle de Togoville, vous aurez d'autres aspects, d'autres visions sur Togoville. Donc voilà à peu près ce que je dois vous dire. Si vous avez d'autres questions, vous les posez et je suis là. Ok. Voilà. Merci beaucoup, chef. Moi, j'ai toujours une question qui me tracasse. Allez. C'est une question dans l'histoire du Togo, on va parler du bois, massacre de Togo. Ça, c'est la version de l'école. Nous, on aimerait connaître la version. Et exactement, c'est ça. Et le roi Mlapa de Togo existe bel et bien, et moi, je suis son descendant. L'actuel roi, c'est moi. Mais sincèrement, et je connais la vie, j'ai appris de la vie d'être tellement humble que je n'aime pas m'afficher comme étant roi. Mais en fait, je le suis. Et je suis la sixième génération. Et pourquoi la sixième génération se demande, depuis la création du royaume, c'est aujourd'hui sixième. Et oui, on ne meurt pas vite. Et quand on prend le pouvoir, c'est à un temps. Quoi. Donc mes aïeux ont vraiment fait un temps au trône. C'est seulement mon grand-père qui a fait un peu de temps. Il a juste fait 50 ans. Et après 50 ans, il est décédé. Parce qu'il est monté très jeune au trône. Et avec les tracas de la chefferie et tout ça là, à l'âge de 70, 75, comme ça, il est décédé. C'est mes autres ailleurs qui ont fait. Il y a un qui a fait 70 ans. Et il y a un qui a fait 80 ans de règne, pas de naissance. Donc ils sont partis dans leur centaine d'années. Bon, je ne sais pas combien d'années moi j'ai. Et le trône, on ne prend pas n'importe qui, c'est le trône même qui choisit. Avant que je ne vienne prendre le trône, et le trône était vacant pendant près de 20 ans. En cherchant vraiment son successeur. Donc, bon, moi je fus enseignant, j'étais dans mes écoles à l'étranger, et je ne savais pas que c'était moi. Bon, quand on m'avait dit que c'est moi qui devais être le successeur du roi, je disais, ça ne peut pas être possible.
Donc j'ai fui. Mais en fuyant vraiment. J'ai goûté le piment. Piment, oui, je viens piment. En tout cas, en tout cas. Bien sûr, c'est le piment. C'est le piment. Donc après ça, je suis arrivé à me mettre à genoux. J'ai dit, bon, voilà, j'accepte. On ne fuit pas son défaut. Ce que vous voulez. Et voilà. Chasseur le naturel, il revient. Donc, et voilà que je suis actuellement ce que je suis. Le roi Mapa existe tel et bien. Et le traité de protectorat avec l'Allemand du Stade Vatican existe bel et bien. J'ai l'original maintenant à l'heure où je parle dans mon coffre. Et bon, je ne savais pas que vous l'avez demandé. Sinon, j'allais préparer ça juste pour vous montrer. Mais le coffre, là où se trouve le coffre, il faut faire des rituels avant d'y aller. Parce qu'on doit les garder jalousement. C'est ça. Et les Français, vraiment, ont tenté à mettre le prix de la voix, mais vous comprenez, c'est un patrimoine, on devait regarder le jalousement. Et voilà. Donc, ça existe bel et bien. Certes, les gens parlent mal du royaume de Togo, et de la règne, du règne de Mapa, et que ça n'existe pas être là. Ces gens-là, mais je les défie, ils n'ont qu'à venir. Je vais leur montrer vraiment la réalité. S'il faut même que je fasse les rituels pour les amener dans la chambre mystique pour qu'ils voient ce qu'ils veulent voir, je les amène, s'y amener. Donc, n'écoutez pas les autres. Le Togo, le gouvernement, donne beaucoup d'importance à l'histoire du Togo. Et raison pour laquelle il ne ménage aucun effort à nous protéger contre toute intempérie, contre ces gens-là qui veulent usurper, tout arracher, et qui transforment l'histoire en leur faveur. Parce qu'ils ne connaissent pas vraiment l'histoire du Togo, donc ils veulent le raconter à leur manière, à leur visée. Donc c'est ce que moi je veux. Moi aujourd'hui je suis un vrai fils Mlapa, un vrai descendant Mlapa et un vrai successeur Mlapa. Donc je donnerai ma tête à couper juste pour sauver le trône Mlapa. Et je le dis à tout haut, tout, dans toutes les circonstances, même sur les médias, si vous aurez à m'entendre sur les médias, venez, je le dis tout haut. Et j'ai eu à inviter les professeurs d'université, les professeurs d'histoire d'université. J'ai eu à inviter le professeur Gaïbor à venir pour que je lui dise les vraies versions de l'histoire de Togo. Parce qu'un peuple qui perd son histoire, c'est un peuple déboussolé, désorienté. Vous voyez. Donc voilà à peu près ce que je pouvais dire. Et s'il y a encore d'autres questions, je suis là. Vous avez dit que vous donnerez votre tête à couper. Nous venons de visiter la maison des esclaves. Moi particulièrement, c'est la première fois d'y mettre pied. Mais façon dont j'ai vu la maison, elle est en train de perdre en fait une grande valeur que nos enfants n'auront pas la chance de visiter. Il y a des trucs dont on nous a parlé, mais on n'a pas eu la chance de voir ça parce qu'ils nous ont retiré ça. On nous a juste montré où ils étaient entassés, mais la voie qui les menait au bateau, nous ne l'avons pas visité. Et pratiquement, il y a des poches, des trucs qui sont. C'est en ruine, quoi. En fait, moi, aujourd'hui, j'ai eu la chance de visiter. J'aimerais tellement qu'un jour, mes enfants, mes petits-enfants, puissent aussi visiter ça, parce que ça fait partie de notre histoire à nous. Dans ce cas, nous voulons, il y a un vieux là-bas qui nous a demandé d'apporter notre contribution. Mais en réalité, nous ne savons pas comment apporter notre contribution. Si nous sommes là aujourd'hui, chez vous, on se dit que vous êtes chef et que vous pouvez porter notre voix au gouvernement. Si le gouvernement pouvait vous entendre pour essayer de réaménager ce lieu, ne serait-ce juste que ça soit un vrai patrimoine pour nous les Togolais, ça nous ferait beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Et je ne manquerai pas d'apporter votre voix à qui de droit. Mais
je voudrais vous dire quelque chose. Pour nous, peuple Nipré, nous, peuple Togo, du royaume de Togo, sommes contre l'esclavage. Nous, ici, on n'a jamais pratiqué l'esclavage. Et là, la maison d'esclavage de la Godanfort, vraiment, a été construite de façon clandestine. Parce qu'au moment où on abolissait l'esclavage, nous ici, quand les gens, ces négriers venaient, on les frappait et ils laissaient les esclaves ici. Et nos grands-parents, mes aïeux, les aidaient à aller dans leurs villages respectifs. Ceux qui ne connaissent plus leur destination sont là. Leurs enfants, leurs descendants sont ici. Et là, à Godranfort, c'est Togo, c'est pour moi. Avant de donner, je le dis tout haut, parce que c'est une histoire, il faut que vous le sachiez. À Godranfort a été donné au vieux Agbo, et après 25 ans de servitude ici, chez moi ici, il a servi les prêtres de la forêt sacrée pendant près de 25 ans. Parce qu'il venait de Ghana, et il cherchait un endroit à vivre. Et à chaque fois que les étrangers venaient ici, ils disaient non, allez à Togo, les propriétés terriens sont là-bas. Allez à Togo, les propriétés terriennes sont là-bas. De pareil qu'on avait fait pour l'Allemand. Quand l'Allemand est arrivé sur les côtes de Bagdad, on lui a dit non. Si tu viens ici là, il faut aller voir le grand papa à Togo, hein, le grand roi à Togo, avant de faire quoi que ce soit. Et ils venaient ici. Comme nous, on ne les aimait pas. Pourquoi? Parce que quand ils venaient, ils viennent prendre nos enfants. On ne vendait pas. Ils viennent voler, prendre de force, kidnapper et partir. Et à l'arrivée des Portugais à Godranfort, au lieu que le vieux Agbo, les dignitaires d'Godranfort, les chassaient, ils les ont acceptés et ils ont construit la maison d'esclavage là. Vous allez voir que c'est très loin de la côte. Il y a une distance entre la côte et le puits de non-retour est très loin, c'est jusqu'à Nimanya. C'est juste qu'ils ont fait ça pour tromper la vigilance des gens, pour qu'ils ne sachent pas que... Et ça, même les gens sont à Godranfort là-bas, et avant de savoir qu'il y a des gens à Godranfort qui faisaient la traite négrière encore, et le temps est passé. Vous voyez, donc je ne dirai pas plus, parce que j'ai tendance de toucher certaines familles têtues. Vous comprenez? Donc moi je l'appelle là-bas une maison de désolation, une maison de honte, une maison de honte. Moi, ne tient qu'à moi, je détruirai ça. Parce que moi ça me fait tellement mal que mes grands-parents, c'était de mes grands-parents, sont perdus et on ne les retrouvait plus. Mais après les recherches, on a vu qu'ils ont été passés par là. Et ça fait mal. Mais c'est devenu maintenant un patrimoine de l'UNESCO pour rappeler l'histoire, pour dire que c'est ce que les Blancs ont fait à nos frères, nos grands-parents, nos aïeuls africains. Mais ton message, je ne manquerai pas. Mais quand même, on a commencé déjà par dire certaines choses pour réhabiliter certains lieux. Même ici, notre palais était en banco, c'était roulé. Et on a fait quelque chose en ciment là-bas. Mais on demande au gouvernement de nous réhabiliter ça, parce qu'il nous devait déjà le nom Togo qu'on a cédé au territoire togolais. Ça vaut beaucoup de nom. Ça vaut beaucoup. Donc il devait nous donner quelque chose en retour. Vous voyez? Donc je ne marquerai pas. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions là-dedans. Beaucoup d'émotions. Beaucoup. Donc juste pour vous dire que Togoville, c'est le tout premier royaume de ce territoire togolais. Le royaume a été fondé depuis les années 1420. Bien avant, plusieurs siècles, je vais dire, un ou deux siècles avant l'arrivée du peuple hébreu. En fait, nous ne sommes pas trop hébreux. Nous avons notre dialecte. Mais comme notre dialecte, nous sommes très conservateurs, on n'a pas dispatché notre dialecte aux autres. Mais bon, pour comprendre les autres, pour embrasser les autres, on a dû adopter l'hébreu comme dialecte. Mais on a notre propre dialecte que nous parlons dans les écoles. Voilà. Donc, on était installés ici bien avant, au moins un ou deux siècles avant l'arrivée de l'hébreu, avant la construction du mur d'Abobo. Par exemple, vous avez dit que vous avez votre dénivelé.
Est-ce qu'il y a d'autres villages ou bien d'autres nations qui utilisent? Parce que je sais que à Kouapé, il y a aussi Niblé là-bas, ou bien c'est différent de chez vous. Niblé, c'est unique. Niblé, c'est unique. Si ça, ça apparaît chez toi et que tu le reconnais, tu l'as. Il y a des gens d'Akumapé, les femmes d'Akumapé qui sont des adeptes Niblé chez moi ici. Donc nos gens, ils vont là-bas pour faire les cérémonies aux gens là-bas et autres. Mais seulement, eux, ils ont eu juste l'apparition. Et ils l'adorent à travers quelque chose. Peut-être par une représentation d'un fer, d'une pierre et autres là. Mais ici même, la représentation même est très invisible, c'est dans le lac. Et on l'appelle, on l'évoque dans un pouvoir, dans un sanctuaire, et il répond. Vous voyez, tout esprit, si on prépare cet endroit pour un esprit, l'esprit n'est pas là-bas. Et quand vous venez à ce lieu-là, vous invoquez l'esprit, il vient là-bas prendre ce qu'il a à prendre. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est ça. Merci. Oui. Thank you for watching. Check our YouTube channel for all current or future videos, all in Togo. And click the subscribe button and activate the bell to always be the first to be notified of all new videos. Merci d'avoir regardé. Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour toutes nos vidéos actuelles ou futures sur le Togo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour toujours être informé de nos nouvelles sorties vidéo sur le Togo.